sais pas, faudrait faire un essai comme ça déjà. Je peux me permettre d'écouter 2 minutes dans le casque? Bien sûr. C'est sûr que je préfère le son naturel quand même. Odile, attends, Odile, t'arrêtes. Je joue plus. J'ai l'impression qu'on a un petit bruit. Mets Audacity en route là, si tu veux. J'ai l'impression qu'on a. J'ai l'impression. Et si vous preniez avec un micro devant et plus le machin et faire un mixage? On va faire ça, je pense. C'est ce qu'on avait fait chez Tofu. Mmh. Puis on, soit on mixe les deux, soit la piste piezo est trop nulle. Ce qu'on va faire, c'est les mettre une à droite, une à gauche, et t'as les deux pistes que tu peux mixer après. Ouais. Faire un panoramique avec un léger délai droite-gauche. On l'a encore, hein. Voilà, mais après le délai, tu le feras autrement. En enlevant les premiers trucs, on les fera en machin. Oui, c'est ça, 2-3 millisecondes. Là ou pas encore, hein? Si j'enregistre. On n'a plus, là. Mais il faut que je remonte le signal. Ah putain, ça va être casse-couille. Vas-y, essaye comme ça. Je vais être chiant comme avec les autres, il faut. Je vais être très. C'est la pluie. Putain de moule de merde. Non mais on va pas l'entendre la pluie. Il y a des moules Scarpac dans ton garage. En fait, le gain sur la table de mixage par rapport à ta configuration de sonorisation. Fais stop, t'enregistres du blanc pour voir si on a un bruit. Putain, on l'a ce connard. Vraiment pas grand chose, mais. Il vient du piezo en fait, le bruit, non?